mama mawadubwani walitia famoro warengize malizo wapanye zuwantao umusosaifu wa bahayuni wa wahao zifida zaha yende manika ukwezo za kuku wadubububu gambindyao sifala wayuni mje mshigie ya hutuba pando mwana ikawo mtuto kakele ziwa nera isiwale kwele 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 disuruta ungejo biridia iso sotipia que ça soit des Nzaya, 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 Gabon Naïjana, et Naïjana ou Guerre Sidi,
afanya jitihadi hata hana inscription leo kanya wale kwa moro wakaanza wale wasemelezi halafu wale wa ofisi wa makaratasi akaulaza ya sinyewa au ministère des affaires étrangères yosilongo mpoi kaulaza ni sinyewa kwa sisi lokaya wabeba karatasi yao kwa ministry ya sinya ya wale ndio wabeba jawa sahihi sha ezadiridiri ola ministre ene banza heni kirtasi ya tolo bala ya yuhunde 500 euro kajatoshe haleze no wiki ya ufanya alweze kafu za unu faransa ya kawujimbeze badi hata tola ya silimo siju wacha la tola kachuto uroge ngazi jando no minisi samono ya baya rengeze kwa manamu saidi hii Eba kwe, lazima rio nese nondo odoze dogo zini. Woi, sarbozi, Jafar Salim, labu itila, gambe, amweshele unodono. Labu roo na zioni, yaka wando imi yao na zioni. Yoka kwa nikaba ya loo, yao mabahami ya loo, yao ndomba hii. Mungu anotola haima aliata. Hele haibibie za vio. Hashita kilo haku zilivo. Divilio na mbaimiza saate na alikakosa ya. Eba mwe, darimone sauni kaya wanwanu. Wawo wapemu. Walati wanu wapuwa wanu. Sisi kasi kojo na amla kiezi mungu. Nguri tubizo. Ashe. Wanu watu misaundo wa majusi ya. Mes chers compatriotes, mes chers camarades venus contre la tyrannie au Comore, voici bientôt 5 ans, notre pays subit une crise sans précédent. En plus de l'illégitimité d'un colonel poutiste qui prend notre pays en otage avec les siens, le peuple comorien noyant dans l'illégalité des institutions et des lois avec une main mise à la justice. Aujourd'hui, une pénurie alimentaire s'abat sur la population. Les plus vulnérables vivent déjà dans une situation catastrophique. Les produits de première nécessité manquent partout sur le territoire. Le riz, aliment populaire de base, est inaccessible pour le Comorien de classe moyenne. La famine s'est installée et hélas, nous ne sommes qu'au début d'une souffrance dans un court terme qui risque de durer. Mes chers compatriotes, en cette période de crise, nous voyons partout dans le monde comment les responsables des pays font face. Ils proposent des mesures et des solutions et associent les représentants du peuple sur toutes les directives pour entreprendre et lutter ensemble contre ces fléaux communs. Nous avons vu, durant la crise du Covid-19, les aides et les mesures d'accompagnement, comment ils ont été gérés. Ils ont permis à ces irresponsables, membres de ce gouvernement, de faire du malheureux Zali Assoumani, s'enrichir sous le malheur des pauvres Comoriennes et Comoriens. À chaque calamité, ces autorités de paix sautent sur l'occasion pour s'enrichir vite au maximum. Les amendes sur la route et le long port de masques ont fait à M. Ramadwani, commandant de la gendarmerie nationale, un millionnaire. Son chantier de maison est devenu un monument où les Comoriens visitent pour admirer les bienfaits des procès verbaux qui ont fait le bonheur de la famille Ramadwani.
Mes chers amis, les tests de PCR étaient un marché de la famille Asmani Azali. Même le ministre de la Santé n'a aucun droit de regard sur ce qui était son précaré. Le ministre a eu droit d'être la présidente par intérim au grand terme de texte de loi. Le Covid-19 a fait le ravage qu'on connaît, mais d'autres se sont enrichis sur notre malheur. Le cyclone de l'Ebre. Vous me dites, c'est bien, c'est suffisamment enrichi. Lui qui était ministre depuis des années et qui ne s'est jamais vu avec une villa. Aujourd'hui, il s'est suffisamment enrichi pour faire un château hors norme. Avec l'aide au développement, nous pouvons observer la maison de Cheyhani Ankouni. Quand il a eu le crédit de la BAD, un sambé a été organisé par les siens. La bande Azali s'enrichit sur le dos des Comoriens et profitant de leur malheur. Mes chers camarades, les Comores meurent de faim. En juin, les images qui nous parviennent sont alarmantes. La société met les droits comoriens à l'évidence. Pendant ce temps-là, Assoumani est entouré avec sa femme et les siens dans des festivités de dancing au cours desquelles sa femme a remporté la médaille de meilleure rappeuse. Mes chers amis, Assoumani s'enrichit profitant du voyage avec sa femme. L'argent qui décaisse pour alimenter ses comptes à l'étranger et la délégation qui paie cher juge pour fuir le pays. En plus, il accepte le refoulement des Comoriens par la France à Mayotte, moyennant de l'argent versé au prorata de chaque tête refoulée. Le sinistre Noul Kamal s'est vu remplacé par le même Seydié stratégiquement dans l'action. Ce dernier a fait une tournée dans les pays de la zone. En Afrique du Sud, en Tanzanie, au Rwanda, au Congo et dans d'autres pays. On se demande où est parti le ministre des Affaires étrangères. Après enquête, on se rend compte qu'il est encore vivant et il fait le boulot dont il est doué, les escroqueries. Le sinistre Noul Kamal fait payer sa signature du ministre des Affaires étrangères à des pauvres étudiants comoriens voulant se rendre en Russie pour leurs études. Noul Kamal s'est vengé sur le dos des pauvres étudiants en fixant 500 euros le prix de chaque signature tampon du Mirex en bonne foi. Une question se pose aux Comoriens et aux Comoriens. Comment escroquer des étudiants de la sorte dans une totale inhabilité? Avant lui, le petit Jafar Salim. L'histoire des athlètes à La Réunion a démontré que les vrais handballeurs n'ont pas eu les moyens pour aller à La Réunion. Mais Jafar Salim a trouvé les moyens de jouer le passeur direct pour venir pleurnicher à la télévision. Mes chers compatriotes, pourquoi dans tout ce qui nous arrive, on n'a jamais entendu les représentants du peuple? La réponse est que tout simplement, il n'y a pas. Des gouverneurs et des députés sont tous nommés. Les Comores meurent de faim et la République est détruite.
C'est pourquoi nous luttons pour la restauration de la République. L'ordre constitutionnel doit être rétabli et les contre-pouvoirs garantis. C'est ce que nous appelons la Oulaya Haki. Vive les Togos dans la dignité. Mpaka Daoulaya Haki. Mes chers amis, j'aimerais bien que vous soyez attentifs à écouter le discours qui va lancer notre ami, monsieur Abderrahim, en langue anglaise, pour que tout le monde, le pays du monde, comprenne et apprenne ce qui se passe au Comor. Merci. Abderrahim. D'accord, un peu de patience, un peu de distraction. Thank you.
My dear comrades in the struggle against tyranny and commerce, my dear compatriots, brothers and sisters, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace be upon all of you. Our country, Comoros, like the rest of the world, is experiencing an unprecedented crisis. Food shortages are affecting the population.
the most vulnerable are already in a catastrophic situation. Basic necessities are lacking everywhere on the territory. Rice, a popular staple food, is unattainable for a middle-class community. Hunger has set in, and unfortunately, we are at the beginning of a disaster seen from afar. My dear compatriots, in times of crisis, we see all over the world how the leaders of countries cope. They provide solutions, measures, restrictions, and involve the representatives of the people on all the guidelines to be undertaken to fight together the common enemy. We have seen the COVID-19 crisis, the support measures, the restrictions, and the solutions. Yes, we have seen this elsewhere, but not in commons. At every calamity, our de facto authorities jump to the opportunity to get rich quickly and to diagnose. The old months on the road and the lack of masks have made Mr. Ramadan, commander of the National Police Force, a millionaire. His house has become a monument where Comorians visit to admire the benefits of the Ramadan family. My dear friends, the PCR tests were a deal for the family of Usman Yazdani. Even the Ministry of Health has no right to look at goods within its prerogative. The minister was allowed to be the acting president in defiance of the law. COVID-19 has caused havoc that we know about, but others have become rich on our debt. As for Kenneth Cyclone, the Medus idea has become rich enough. He was a minister for years and never saw himself on the winner. Today it is enough to read his castle. In the case of the delivery aid, you can see Jehani's house in Europe. When you go to the African Development Bank loan, a traditional dress code Sunday was organized by his people. It is in a disaster that Usman Yazdani's gang gets rich. My dear comrades, the people of Comoros are dying of hunger. In Anjouan, images that reach us are alarming. In Gazeta, the intoxication of the great marriages for big weddings has come to an end. The sobriety puts the great Comorians to the proof. Food prices is here. Meanwhile, Asumani is on tour with his wife. He is seen in Tunisia with a sketch by Shamsia Manji Asadi. This woman refused to receive his hand while accepting the hand of the Tunisian president at the same time. It's a class act to see Azadi's gang making fools of themselves in the covers of the Arab world. Asumani was seen following a video conference held in Japan. This explains why all the computers in Beit Salam, Omar Gomedi sold them all. That is why Asumani left with a strong delegation to borrow Kaisai computers to follow the conference. Asumani is getting rich with his wife on trips. The money they collect to add to his foreign accounts, and the delegation pays a lot just to escape the country. Meanwhile, he accepts the expelled people from France and brings them back diplomatically. Heads off to the corn artists. He's good at this. My dear friends, the sinister Abdul Kamal has been replaced by Humedi Saidiye on the factual side. The latter toured South Africa, Tanzania, Congo, Rwanda, and other countries as well. One wonders where the Minister of Foreign Affairs is, since it was not past where CAF is looking for him.
He's alive and well and doing the job that he himself has mastered, and that is role. The sinister group command is making poor students who want to go to Russia for their studies pay for his signature of the ministry. These students have managed on their own to enroll at different universities all over the world. Vladimir Putin granted them enrollment, but they needed a proof from the country. This is where Vulkaman wrote his revenge by fixing 500 euros for each student for a signature stamp from the Ministry of Foreign Affairs in good faith. The crook is still watching. He's still watching the tape where he is good at. How do you defraud students in this way and with total impunity? Before him, if you can remember, there was the Church of Salim, known as Sarkozy. The story of the athletes in Reunion Island has shown that the real handball players did not have the means to go to Reunion Island. But Jafar Salim found them the means to play the direct pass to come and run on television. My dear comrades, what is happening to us have we never heard from the representatives of the people? Quite simply, there are none. The governors have been appointed. The MPs are all appointed. Even the lawyers, judges, and others. One has the right to wonder if they really went to university. The people of Comoros are starving simply because the Republic is destroyed. That is why we are fighting for the re-establishment of the Republic. Constitutional order must be restored. Counter powers must be guaranteed. Pluralism must be returned. This is what we call rule of law. As we know in Comoros, in Comorian, Daudai Haki. Long live Comoros with dignity. Mpaka Daudai Haki. Thank you very much. Mpaka Daudai Haki! Mpaka Daudai Haki. En ce moment, avec le Zazan africain et pas l'africain, je vais vous demander d'arrêter un petit peu vos sujets parce que ça dérange un petit peu. Quoi. Même si des fois ça se vient. On va passer le micro aux amis africains qui soutiennent notre combat, qui sont là avec nous, qui aimons ensemble une vie sans précédent jusqu'à ce que les dictateurs africains te gardent de nos pays. Nos amis, par le biais de notre ami Alexis, je vais vous passer le micro. Je vais vous passer le micro. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes là? Comme ça, ça. Merci à tous. Merci infiniment. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire là-bas, c'est-à-dire changer la musique. Pour vous montrer à quel point nous sommes ensemble, parce que la musique va nous fédérer. Et vous jouez la musique ici, parce que la musique aussi procure la joie. Je veux bien qu'il en ait. Et qui unit les gens. Et ici, ce que je veux faire, vous me connaissez peut-être, je suis président d'émergence, je me suis prononcé plusieurs fois dans vos réunions pour dire à quel point je trouve que Azaïa Soumani est un tyran. Et je le dis, et je le dis avec fort, je le dis à Marseille, je dis que vous avez le droit, au nom de la France, de ses principes fondamentaux, les droits de l'homme et du citoyen qui ont été édités en 1989, les droits de l'homme. Vous avez un droit fondamental, je veux dire l'article 2 de cette déclaration. Prenez cet article 2 comme un front en revolver et comme un résistant. Contre le tyran, l'art de la plus puissance, où qu'il soit, au Congo, en Algérie, en France. La meilleure arme, c'est le droit. Et le droit vrai.
on s'en sert pour les fragiliser, pour leur révéler à quel point ils sont excellents et pour que le sentiment qu'il faut qu'ils partent et qu'ils nous laissent vivre près le dessus. Et que l'article 2 de cette déclaration du croyant, que le monde ne peut pas se sentir plus vite. Et la transformation du droit naturel et imprescriptible de l'homme. Je répète, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme et de l'humanité. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Vous pouvez tous la prendre par cœur, pour la voir au cœur, pour pouvoir le dire à Mélenchon et à Sémanier, de la même façon que je le dis à Macron. Pourquoi je le dis à Macron? Parce que Macron, avec un petit M, pas un majuscule, Macron est minuscule. Macron est petit. Et vous savez pourquoi il est petit? Parce que il déshonore la France. Il déshonore la France en soutenant Mélenchon et Sémanier comme il le fait, je le dis au fort. Je vous dis en tant que candidat à la présidentielle en 2022.